retrouve aujourd'hui pour faire la connaissance de deux de nos joueurs dans la rubrique Les Contes à la Malice. Choisir un puck. Alors le 3. Ok, donc on te propose un défi. Si tu acceptes, on se peut revenir en arrière. Ok. T'acceptes? Ouais. Ok, tu dois chanter ta chanson préférée. En ce moment, je vais dire Black M. C'est Askip. Je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Je pense que c'est bon. Ok, faudra faire The Voice. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super-héros. Que vaut la somme de 15 divisé par 5 et de 21 divisé par 7? 3. 3? 15 divisé par 5. 3. Ouais. Plus 21 divisé par 7. 6. Oui, on est arrivé. Si tu pouvais réaliser un rêve, ce serait lequel et pourquoi? Je pense, comme tout joueur, je pense que c'est jouer en NHL. C'est le rêve de chaque joueur de hockey, je pense. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un triangle rectangle? C'est un triangle qui a quatre côtés. Un triangle à quatre côtés. Un triangle, c'est à trois côtés. Et un triangle rectangle? Donc il y en a un rectangle, il y en a quatre, donc ça fait sept. C'est un triangle à un angle droit. Ah ouais, c'est vrai. C'est bon, c'est revenu. Ouais. Ton film culte? Never Back Down, j'ai adoré ce film. Il y a une raison particulière? Non, c'est juste, c'est quelqu'un qui, au début du film, il se fait un peu défoncé, si je puis dire, et puis à la fin, il s'entraîne dur et à la fin, il bat le gars. Qui a écrit L'Étranger? Camus, Saint-Exupéry ou Victor Hugo? Camus. Oui, c'est juste. Si tu pouvais dîner avec une célébrité, ce serait laquelle et pourquoi? Je vais dire Selena Gomez. Pourquoi? Elle est vraiment très belle. Si tu devais participer à un dîner presque parfait, quel menu cuisinerais-tu? Donc, entrée, plat, dessert. En entrée, je pense que je ferais, je sais pas, des petites pizzas. En menu, il y a tout le monde qui me saoule parce que je mange que des cordons bleus, alors je ferais ça, je pense. Et en dessert, j'adore la mousse au chocolat. Ok, t'as plutôt thé ou café? Je déteste le café, alors je vais dire thé. Ok, donc t'es en appartement avec Anthony et Victor, je crois? Juste Anthony. Ok. Est-ce que tu as une petite anecdote, une petite chose rigolote à nous raconter sur cette colocation? C'est pas très sympa, mais Anthony passe vraiment beaucoup de temps dans la salle de bain pour faire ses besoins. Donc j'ai rarement le temps d'y aller, donc c'est vraiment c'est pas facile d'habiter avec lui. C'est problématique en effet. Bah merci, on te laisse prendre un petit chocolat. Ok, donc on te laisse choisir un puck. Prends le numéro 2. Ok. Alors, quelle est ta boisson favorite? De l'eau gazeuse avec du sirop. Quel sirop? Fraise. Ok. Mais le sirop moron. Est-ce que tu as des loisirs à côté du hockey? Oui, en été, je fais beaucoup du tennis et puis du golf. Est-ce que tu t'intéresses à un sport féminin en particulier? À Berne, des fois, il y a le beach volley. On était la finale des championnats suisses. Et puis, on va regarder ça des fois. Ouais. Ok, il y a une raison particulière? J'étais sûr. Non, parce que ouais, j'aime bien la plage et il y a du sable, quoi. Ok, alors, on te lance un petit défi. Si tu acceptes, on se peut revenir en arrière. Oui, j'accepte, quoi.
Tu dois faire une petite démonstration de patinage artistique. Oh. Oh là là. Non, maintenant, comme ça. C'était pas mal, j'avoue. Tu peux me dire quel fleuve traverse l'Égypte? Fleuve, c'est une rivière, hein? Je te donne des propositions si tu veux. Ok. Alors le Danube, le Niger ou le Nil? Le Nil. C'est juste. Est-ce que tu peux nous raconter ta pire chute? Sur la glace? Comme tu veux. La pire des pires. Bah, je pense sur la glace, la pire chute, c'est quand t'es le dernier homme et puis tu tombes, t'as vraiment l'air con. Et puis, en plus, si t'encaisses un but, c'est un peu le moment de la honte. Ok. Quel est ton principal trait de caractère? J'essaie d'être honnête. Je pense que c'est un peu ça, ma honnêteté. L'honnêteté, ok. Si tu pouvais réaliser un seul vœu, ce serait lequel? Bah, qu'on défend le titre cette année. Ok, c'est pas mal. Bonne réponse, hein. Plutôt en vacances à la plage ou à la montagne? À la plage. Une raison particulière? Comme j'ai dit avant, j'aime le beach volley. Ah bah ouais, tout est lié. Quelle est la première chose que tu as faite ce matin? Bah, je me suis brossé les dents. Tu t'es même pas levé? Ouais, je me suis levé. Bah oui, mais ça c'est une question piège. Est-ce que tu as plutôt chat ou chien? Chat. J'en ai deux à la maison. Ah, c'est bien. Bah, merci. On te laisse prendre un petit bonbon, un petit chocolat. Caramel. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt avec d'autres joueurs. À bientôt, bye bye.